Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie d'émission. Nous avons préparé un plateau exceptionnel d'invités exceptionnels pour parler de la protection de l'homme et de la nature et comment faire l'alliance de l'écologie, de la technologie et de l'homme. Tout de suite dans Causement Réunionnais. Alors, nous avons fait la transition, nous avons parlé de poésie, nous avons parlé d'écologie interne avec Guy, Cathy et Richard. Et maintenant, nous accueillons notre invité principal, Alex Cronenberg. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et donc, de quoi êtes-vous venu nous parler? Parce qu'on va parler d'écologie et de technologie. Est-ce qu'on peut faire l'alliance des deux? Alors, certains disent aujourd'hui, c'est la technologie qui sauvera le monde. C'est la technologie qui fera en sorte qu'on pourra faire des choses écologiques. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Tout de suite, comme ça? Ouais, comme ça, à chaud. La technologie peut les deux. Elle peut apporter le bien-être et la pollution en même temps. C'est un sentiment que je partage. Et justement, je suis venu parler de mes passions, de ma volonté de trouver des solutions concrètes pour le territoire et venir concilier écologie, technologie. Technologie qui, pour moi, résonne avec accès au savoir, à la connaissance, au partage, à la vie. On va voir ça de suite, donc ensemble. On a 20 minutes pour en parler. Comment vous voyez les choses, Guy, Cathy? Moi, je dirais, la technologie, elle est bien. Et effectivement, elle peut être aussi utilisée dans un mauvais sens. À condition que la technologie, elle est utilisée avec conscience. Bienveillance, elle peut apporter quelque chose. Elle peut. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a fait des scanners qu'on peut regarder en long, en large, en travers dans les corps humains, mais aussi on peut faire la bombe atomique avec la même technologie. C'est la même intelligence qui a fait ça. Maintenant, s'il n'y a pas de conscience dedans, si on est inconscient à ce que tout le progrès qu'on fait, où on va avec ça. S'il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas d'intelligence, eh ben cette chose va être horrible. Mais elle peut peut-être nous aider à faire des choses pour nous soulager en tant que mécanisme. Parce que la technologie prend place sur notre planète. Quelque part, on peut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on l'utilise avec conscience, ça peut apporter du bon. Et sinon, sans conscience, ce n'est que ruine. Ici même, sur ce plateau, on a reçu quelqu'un, on s'en rappelle, qui a affirmé sa haine de l'islam. Donc on a utilisé la technologie pour diffuser de la haine et de la division. Donc on sent que ce n'est pas intelligent. Bien sûr. Et par ailleurs, on peut faire du funker comme Cathy, le diffuser sur YouTube, Facebook et les réseaux sociaux, utiliser la technologie. Et là, ça nous unit. Quelque part, quand on a une utilisation qui nous unit... C'est juste, et quand on a une utilisation qui nous désunit, et pourquoi ça on sait qu'on est dans l'erreur. Pourquoi ça nous désunit? C'est tout simplement parce que quand on l'utilise, on l'utilise pour un intérêt personnel, pour mon bien-être personnel. On a le plaisir d'avoir, et ça c'est sans fond. Et tu vois, c'est ça qui détruit. C'est en fait le pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est pas la technologie. La technologie, elle, ok. C'est l'homme le pire ennemi de lui-même en fait. Richard, nous vivons dans une société d'hyperconsommation et on en a une masse de consommateurs qui n'est pas du tout conscient ni éveillé et on en a une minorité de têtes pensantes et de possédants, donc de sachants et de possédants qui orientent la technologie comme ça tu veux pour accentuer le phénomène d'hyperconsommation. Là, nous l'est à l'époque où l'intelligence artificielle est en train de développer, mais dans des dimensions incroyables. Les guerriers robots autonomes l'est en train d'être construits. Mais je crois pas que moi l'est complètement complotiste en disant ça. C'est des choses avérées. Oui, il y a le drone donc, déjà qui avec qui on envoie. Mais pire que ça, maintenant, en Syrie, c'est les
combattant. Ça, ouais. Et la question de l'éthique que l'a toujours posée, il continue à poser, mais il tient toujours pas compte et il continue à consommer. L'origine de ça étant... est pessimiste là-dessus. Alors, tout à l'heure, entendu, il parlait d'économie sociale et solidaire. S'il n'a pas toute une frange de population qui pense autrement, qui essaye autrement et qui expérimente autrement, c'est le seul moyen pour faire un contre-pouvoir face à ça. Donc on a identifié deux choses, c'est qu'une bonne utilisation de la technologie nous unit, une mauvaise nous désunit. Ensuite, on a vu avec Guy que l'origine de ça, ce serait d'utiliser la technologie, les moyens pour un bien juste personnel, pour dire pour moi je veux un peu plus de territoire, moi je veux un peu plus de richesse, de minerais chez le voisin, etc. Et quand on arrive à faire fi de tout ça, s'élever au-delà de tout ça, on arrive à des projets qui sont différents. Qui sont peut-être communs aussi. Qui sont communs. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez être dans ce genre de lignée de projet, Alex? Alors, moi-même et l'ensemble de l'équipe GetUp est tout à fait dans cette lignée-là. Et en fait, je vais rebondir sur ce qui a été dit. La technologie aujourd'hui, c'est un outil. Et ce qui nous rassemble, ce qui définit l'essence même et si cette technologie est bénéfique ou mauvaise, bah, ça va être la vision qu'on porte en utilisant cet outil, cette technologie. Donc la technologie peut servir effectivement pour développer de nouvelles armes, mais moi qui suis passionné d'aérospatial, qui suis passionné de médecine, je vois aussi l'utilisation d'intelligence artificielle pour créer de nouveaux médicaments, pour apporter des solutions que jusqu'à maintenant très compliqué effectivement de développer. Il parle d'éthique. Tout à fait, c'est vraiment les choix et les décisions. Alors qu'est-ce que vous avez développé là, montrez-moi. Et bien justement, on a voulu donner du sens à la téléphonie. Aujourd'hui, je parlais d'accès à la connaissance, savoir venir contacter sa grand-moune quand on est en métropole, quand on est en Afrique du Sud pour ses études. L'objet qu'on a tous aujourd'hui dans nos poches, dans nos mains, peut-être un petit peu trop, c'est notre smartphone. Un petit objet sur lequel on l'a tous ici sur la table, dans nos poches. Il est en train de vibrer. C'est justement redonner du sens à cet appareil. Aujourd'hui, on a besoin de cet outil pour pouvoir communiquer. On a besoin de cet outil pour pouvoir apprendre, pour pouvoir répondre à ses appels, pour son travail. Simplement, la question, c'est est-ce qu'on lui offre une seconde vie? Est-ce qu'on lui offre l'opportunité de pouvoir apporter ici, au territoire réunionnais, à l'ensemble des réunionnais? Et c'est ce que GetUp fait. GetUp, c'est pas compliqué. C'est une bande de passionnés, des personnes bien qui se rassemblent autour de valeurs fortes, des valeurs d'économie circulaire. On va venir développer des outils qui vont permettre à tous les réunionnais, que ce soit chez eux, réveiller en fait simplement le petit téléphone qui va traîner dans son tiroir chez des sociétés ou à Télécréole. Et dire peut-être qu'il mérite d'être réparé, peut-être qu'il mérite une seconde vie. C'est exactement ça. Ou même la continuité de sa vie. Donc si le téléphone, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, c'est comme si on arrive à l'adolescence, on n'est plus dans l'enfance, du coup on nous jette et on prend un autre enfant. C'est tout à fait ça, et on laisse ce téléphone, cet appareil, traîner dans son tiroir sans lui offrir la possibilité de resservir. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a une utilisation différente. On n'est pas là pour venir dire et pour venir juger, vous avez le dernier téléphone à la mode, mais si vous en avez l'utilité, le besoin, vous avez raison de l'avoir, pourquoi pas? Par contre, votre ancien téléphone, vos anciens équipements, ils vont pouvoir convenir à une autre personne. Et nous, notre travail, c'est de venir justement vous proposer le rachat, la réparation, la promotion de téléphones qui sont hautement réparables. C'est-à-dire que vous allez venir chez GetUp, on va vous accompagner vers des téléphones soit qui auront déjà eu une première vie, très accessibles, soit vers des téléphones... Un exemple. Aujourd'hui, on va commercialiser des téléphones, des smartphones dernière génération qui vont tout à fait convenir à des ados qui vont prendre des photos très sympas à partir de 549 €. D'accord. Et ça va être des téléphones qui vont être réparables. Par exemple, un iPhone 6 aujourd'hui, combien vous le vendez? Aujourd'hui, un iPhone 6, on va être sous la barre des 200 €, reconditionné et garanti un an ici. Alors qu'on est au 9, au 10, là, je suis plus... Aujourd'hui, on va être au 11. Au 11, d'accord. Je suis en retard déjà. un petit chiffre peut-être, quelle est la quantité de téléphones qu'on jette chaque année?
Alors aujourd'hui, GetUp a su redonner vie à 4500 appareils ici localement sur la Réunion. Et on sait combien est jeté chaque année ? Alors, on ne sait pas encore. Si, sur la Réunion, c'est environ 250 000 smartphones qui sont mis de côté et qui ne sont pas revalorisés chaque année. Wow. Donc ça fait de la pollution. Sans compter ceux qui sont jetés à Madagascar. Parce qu'on jette là. C'est tout ce qui est pourri. On jette là où c'est moins cher. C'est exactement ça. C'est une poubelle là-bas. Donc là, on prend ce qui est jeté, ce qui aurait dû être jeté, on le réactualise, on le rend fonctionnel. Bon, dans une autre émission, on va parler par exemple de chevaux. Et puis, quand un cheval est malade, on ne va pas le jeter, n'est-ce pas ? Voilà. ça coûterait trop cher au centre équestre. Et ça serait une aberration. Ce serait une aberration. Alors, la même chose qu'on fait avec la vie humaine, la vie animale, on peut le faire avec la vie d'un objet qu'on affectionne. Alors, je vais vous donner un exemple et après, on va en parler. Deux gens qui arrivent à le faire, non pas avec téléphone, mais avec des savates. Parce qu'il y a plein de savates qui se retrouvent aux déchets. C'est parti. On va lancer la vidéo des savates. Sur une musique des enfants de conservatoire de la Réunion, Valais. Des gens, on a vu, qui prennent des savates usagées et qui en font des poupées, des sculptures, de l'art. Alors, sachant que peut-être un jour, ils ramasseront toutes les ordures de la planète, on n'en est pas certain. Mais dans tous les cas, on fait quelque chose avec nos ordures. On fait quelque chose avec ces savates, on peut les vendre, on peut en faire une autre économie qui est plus responsable et plus solidaire. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, Guy Roger ? Ça reste limité quand même. Allez-y. Parce que cette limite, je dirais que chacun d'entre nous, on le sait très bien que quand on va aller au supermarché, eh ben, on ne veut pas une savate comme ça, quoi. On veut tout neuf dans ce papier bien sorti du neuf, là, tu sais. Parce que même si tu donnes ça à un enfant, enfin, il dit, moi, je veux pas ça, je veux quelque chose. Elle a vu tout ce truc à Adidas, là-bas, moi, je veux. On veut le 11, on veut pas le 9. Et ça, c'est un conditionnement. Peut-être qu'il faut qu'on sorte de ça. C'est ça. Et t'as raison de le souligner. Mais ça, c'est vraiment dans nos habitudes de consommation. Et on est là aussi. Et le fait de passer justement sur TV Créole nous permet, en fait, de venir partager notre passion. Exactement. On est bien plus qu'une grande distribution. Alors, qui peut nous apporter des produits peu chers, mais qui, sur des matériels électroniques, en tout cas, à travers GetUp, à travers le développement de GetUp, ce que j'ai souhaité faire, c'est ça, c'est apporter du sens. Changer de conditionnement, reconditionner. Ça vous parle, Richard ? Quelque chose de super important qu'il ne faut pas oublier pour les téléphones, l'électronique, c'est qu'ils mobilisent des métaux rares et précieux qu'ils ne trouvent pas partout, que les rares, donc oui, il vient de dire métaux rares, et que souvent c'est les enfants que les mis à contribution pour aller extraire les morceaux de minerai qui permet à nous de fonctionner comme ça à chaque instant. et moins les recycler et plus ces marmailles-là que les souffrent. Maltraités, bien sûr que dans la souffrance, ils continuent de souffrir. Donc, et rien qu'à ce titre-là, le recyclage, essentiel. Ah oui. C'est-à-dire si vous achetez un téléphone qui est reconditionné, qui a une seconde vie ou une continuité de vie, vous permettez à un enfant de moins souffrir, de moins aller dans les minerais et peut-être de changer le conditionnement, de le modifier de l'intérieur. C'est sûr. C'est un grand travail. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un grand travail comme des aiguilles. Cathy ? Je trouve que donner une seconde vie à un objet, c'est vraiment une caresse qu'on fait à l'environnement. On protège les enfants, on protège l'humain et on protège la mère terre. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos seniors aussi.
Au lieu de les jeter dans un centre, ben, on essaie de leur donner une seconde vie dans la joie et l'amour. Exactement. Vous accueillir chez nous, rigoler avec, jouer de la musique et partager des moments ensemble. Richard, vous vouliez vous exprimer? Non, ça va. Et là, pour ces téléphones-là, on a aussi un impact local très fort. C'est-à-dire qu'en plus de créer de nouveaux emplois, de venir faire vivre la Réunion, de venir développer de nouvelles compétences ici, de former, puisqu'on fait de la formation, on accueille, on forme. En plus de ça, on va compenser, puisque ça nous tient à cœur, on vient compenser l'impact carbone, on en parlait tout à l'heure, l'extraction des métaux, la pollution. On vient compenser justement notre impact carbone pour tout achat justement chez nous. On va venir participer à un plan de reforestation ici en local dans les hauts de la possession. Et ça, ça fait partie de notre engagement. Vous plantez des arbres. Exactement. Oui, avec une partie de votre... Une forêt semi-sèche. Tout à fait. Vous replantez des arbres. Avec une partie de votre chiffre d'affaires. Avec une partie du chiffre d'affaires et aussi en participant concrètement, en fait. On vient planter. Physiquement, physiquement planter. On vient planter, ça c'est bon. Directement sur le terrain. C'est une action que je faisais avant même de créer GetUp, de fédérer des personnes motivées pour changer le monde à notre échelle. Je trouve que ça c'est beau quand on est impliqué avec la nature parce que. De plus en plus, justement, avec tous ces gadgets-là, on se sépare de la nature. Et on n'a plus ce sentiment d'être grand. La nature n'a pas besoin de nous. Elle n'a pas besoin de la nature. Exactement. D'accord. Et d'aller vers la nature, donc, c'est reconnecter. La nature n'occupe de nous. Ça, c'est bien, voilà. Richard. Ça, c'est beau. On le sent, c'est naturel. Nous sommes en lien avec la nature, on ne peut pas y échapper. Quand elle ne va pas bien, nous aussi, nous ne l'est pas bien. Voilà. Et quand nous, on n'est pas bien, où est-ce qu'on va? Dans le meilleur nature. Moyen de se ressourcer, c'est dans justement la nature, dans la nature. Dans la nature. Et faire des gestes comme ça en faveur de la nature, ben... Et un peu de poésie au bord de la un mer. Un peu de poésie. On est d'accord. Voilà. Des légumes du jardin, un boucanet, et puis rouler jeunesse. Et donc, oui, bah, on partage quelque chose de vivant, là, on le sent, hein. Ça circule sur le plateau. La poésie qu'on a vue juste avant, on n'est pas déconnecté de ça. Pas du tout. Le cœur n'est pas déconnecté de ça. Nos actions, notre entreprise sont totalement connectées à ça. Les emplois qui sont totalement connectés à ça. Et finalement, on se rend compte que ce nouveau monde est déjà là. Et il suffit de lui ouvrir les portes, peut-être à lancer un appel à ceux qui nous entendent ce soir. Ouvrez les portes grands, les portes du cœur. Un message à passer ici, Richard. Oui, c'est juste un truc qui fait penser moi à ce pourquoi nous sommes là, Rico et moi, c'est que juste lui exprime, lui élabore, lui met en œuvre, impossible. Il nous sera tout à l'heure, nous va parler de la rencontre des possibles. Oui, parce qu'il y a une rencontre des possibles qui va se produire fin de semaine et il va y avoir le 29 novembre. La preuve que ce qu'on pensait être impossible est rendu possible, non par la technologie seulement, mais surtout par la volonté de l'être humain. Sans laquelle rien n'est fait. Sans laquelle rien ne se fait. Ouais. Donc, c'est quand la prochaine fois que vous allez planter des arbres? La prochaine fois qu'on va planter des arbres, ça va être au mois de janvier. Et avant ça, bah, on a eu la chance de pouvoir ouvrir et donner de la visibilité justement à nos produits et à notre équipe dans la ville de Saint-Denis. Donc vous pouvez nous retrouver face à l'église de la Trinité à Saint-Denis. On a un point de vente là-bas et un point de conseil. Et également à côté du Leclerc Portail dans l'ouest, on sera heureux de pouvoir réparer tous les matériels électroniques. Vous avez un ordinateur, une tablette, un téléphone, que ce soit à réparer, à vendre ou à acheter. Si on veut planter des arbres avec vous, quand est-ce qu'on vient? Toutes les personnes qui viennent justement chez GetUp, on les recontacte pour pouvoir participer au... D'accord, venez chez GetUp et puis ensuite... chez GetUp. Pour la première fois, on utilise un message marketing pour vous aguicher, vous attirer, pas vous amener juste à dépenser, mais aussi à aller planter des arbres. C'est bon ça? Donc en fond, il aurait fait GetUp, Il y a un peu de ça. GetUp, c'est pour réveille ta conscience, réveille ton téléphone qui est planqué au fond de ton tiroir et tout simplement participe à donner du sens. À ce petit outil, à ce petit objet qu'on a tous, mais qui trop souvent finit à la poubelle. Aujourd'hui, on peut apporter vraiment sur le territoire réunionnais, faire en sorte que la Réunion devienne un véritable pôle, non pas, tu l'évoquais tout à l'heure, une poubelle un peu de déchets électroniques, mais au contraire,
un pôle et qui rayonne dans l'ensemble de l'océan Indien, puisque c'est notre volonté, c'est ce qu'on est en train de construire, d'expertise pour pouvoir redonner vie à du matériel électronique pour toutes nos 10 sœurs et cousines en plus du territoire réunionnais. Et puis après qu'on puisse les utiliser, qu'on a une autre façon de les utiliser. Parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui va nous prendre. Mmh. C'est nous qui les prenons. C'est nous qui les utilisons, c'est pas eux qui nous utilisent. Tout à fait. Et ça c'est beau parce que tu vois, quand tu t'aperçois ça, quand tu as longtemps un téléphone et que toute ta vie tu as été, si tu veux, esclave de ce téléphone, peut-être esclave c'est peut-être un mot fort, mais quand on a été dépendant de ce téléphone tous les matins quand on se réveille, on a, tout de suite il a besoin d'être là, et bien peut-être à ce moment-là, quand on fait ça ensemble, on a une autre perspective de ce que c'est le matériel. Parce que ça, c'est un truc qui a été vendu, justement. Tu sais, tous les systèmes dans le téléphone qui a été vendu, c'est du marketing pour t'accrocher, pour te donner le petit pouce comme ça. Combien de petits pouces que j'ai eu aujourd'hui, moi, tu vois. Et tu as tendance à aller regarder ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, tu es mordu de ton téléphone. Et je crois que peut-être que utiliser ces choses-là d'une autre manière, sans... Pas en étant mordu par ça, mais en étant mordu par les uns les autres directement. Ça va se faire rire, mais justement, moi j'ai une boîte à smartphone à l'entrée de chez moi, et tous les soirs quand je rentre à la maison, je mets mon téléphone à dormir dans son lit, dans la petite boîte à gauche à l'entrée. Bravo, ce sera le mot de la conclusion. Chers amis, nous venons d'être témoins aujourd'hui sur le plateau qu'il est possible de faire différemment. Et d'ailleurs, nous venons d'utiliser la parole, la communication et l'art de la rhétorique, non pas pour mentir, non pas pour vendre à l'excès ou susciter en vous un quelconque désir, mais pour parler vrai, pour parler avec le cœur. Et c'est tout le meilleur qu'on vous souhaite. Vous voulez planter des arbres, allez voir Get Up. Vous voulez de la poésie, vous allez voir Cathy qui est ici. Vous voulez un monde meilleur à travers ses livres et ses conférences, vous allez voir Guy Roger ici présent. Et vous voulez voir le prochain président de la région, peut-être. La dictature du bonheur, allez voir Richard Dijoux. Richard Dijoux avec la Réunion positive. On vous dit à très bientôt avec enthousiasme. C'est la Réunion, elle est là.